Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous expliquer comment éteindre votre véhicule complètement pour faire des modifications ou pour vraiment faire un redémarrage vraiment le plus proprement. Donc imaginons, vous souhaitez changer le volant pour un volant jog. Le problème c'est que tout ce qui concerne l'airbag est hyper dangereux. Un faux contact et vous le faites déclencher, ça vous met vraiment dans une mauvaise situation. Ou parfois, en débranchant et en rebranchant, le système ne prend plus en compte certaines fonctions et là vous vous retrouvez bloqué. Donc première chose à faire, tout simplement, on va ouvrir le capot avant. Tout simplement, on va aller dans sécurité. Hop. Voilà, bien sûr, descendez la vitre conducteur, on ne sait jamais. Et vous faites couper l'alimentation. Voilà, une fois ça fait, on ouvre notre capot avant, on déclipse cette partie-là, voilà. Quelque part par là, il doit y avoir un câble, où es-tu petit câble? De voilà, ce câble-là. Qui, comme vous le remarquez, c'est le câble à couper en cas d'urgence. Donc on appuie sur le petit clip à l'arrière et on tire le clip rouge comme ceci. Et quand vous faites ça, là je viens de déconnecter du coup l'alimentation et là il n'y a plus que la batterie de 12 volts. Ensuite il vous suffit de débrancher donc tout simplement la batterie de 12 volts et votre voiture est complètement éteinte. Voilà, vous attendez quelques secondes, vous le rebranchez, ou dans le cas d'une intervention, vous laissez complètement débrancher le véhicule. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura été utile, et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !